Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, je vais reprendre la parole pour vous présenter rapidement le programme de cette matinée qui vous a déjà été largement présenté dans cette introduction. Donc moi aussi, je partage les remerciements aux équipes qui ont préparé ce webinaire et notamment à la direction de l'évaluation et de la planification et à la délégation à l'information et à la communication. Et je remercie tout particulièrement Claire Istas qui a coordonné cette journée, Claire Istas que vous connaissez très bien et qui vous présentera cette consultation sur du public. Donc, en termes de programme, donc je repartage mon écran. Le programme, les objectifs de cette journée, donc je fais court, cela a déjà été présenté en introduction. Donc, c'est bien de préparer la consultation du public sur le projet de SDAGE, donc consultation qui se tiendra du 1er mars au 1er septembre. Il s'agit aussi de vous présenter un point important, effectivement, c'est ce projet de SDAGE qui sera soumis à l'avis du public. Et il s'agit aussi, et ça c'est important, on le rappelle à chacune de nos rencontres, et on le rappelle également dans le cadre de ce webinaire, l'objectif de cette journée, c'est bien d'échanger et de mutualiser sur nos expériences de sensibilisation et l'ensemble de nos actions que l'on fait en matière de pédagogie autour des enjeux de l'eau. Il ne s'agit pas à ce stade, effectivement, de débattre et de donner son avis sur le SDAGE en tant que tel. Vous aurez bien entendu l'occasion d'échanger sur le contenu du SDAGE et de donner votre avis lors des forums de l'eau. Donc, on vous met dès à présent les dates de ces forums de l'eau. Vous aurez la possibilité de débattre et de donner votre avis. On va vous les remettre au fil de l'eau. Donc, vous avez 5 dates à retenir. Ça commence donc sur Maine-Loire-Océan le lundi 15 mars et ça se termine sur Vienne-Creuse le lundi 29 mars. Donc là, vous aurez effectivement la possibilité de débattre sur le stage. Donc, le programme de cette matinée, puisque notre format est un peu raccourci par rapport aux rencontres habituelles, on est vraiment sur une demi-journée, puisqu'effectivement, on est sur un format plus court avec, on n'a pas les ateliers traditionnels, mais on se propose effectivement au fil de la consultation de vous proposer d'autres petits webinaires. Et donc, on est assez preneur pendant les temps d'échange que vous nous fassiez remonter des thématiques particulières que vous souhaiteriez que l'on mette en avant dans le cadre de ce type de webinaire. Donc, deux interventions. Tout d'abord, on aura une intervention sur le projet de SDAGE, donc une intervention qui sera faite par Lucie Sedano, où l'on mettra essentiellement en avant les principales évolutions et du coup, quels sont les enjeux associés à la consultation. Vous aurez ensuite une présentation sur les modalités d'organisation de la consultation du public. Cette présentation sera faite à deux voix, avec Claire Istas et Jean-Sébastien Cailleux de la délégation à l'information et la communication, qui vous présenteront effectivement les outils pour sensibiliser, relayer l'information et donner votre avis. Nous aurons ensuite un premier temps d'échange. Je vous expliquerai juste après comment on va organiser ce petit temps d'échange, parce que pour nous, c'est important de maintenir ces échanges, même sous format webinaire. Et ensuite, dans la suite des interventions, donc on a vraiment essayé d'avoir beaucoup de témoignages et des témoignages assez divers sur l'ensemble du territoire, puisque c'est vraiment l'objectif de cette journée. Donc, 7 témoignages vous seront proposés. Donc, un témoignage de l'association Eau et Rivières de Bretagne, un témoignage du pôle Art et Urbanisme, un témoignage du FNE Centre Val-de-Loire, un témoignage du CPIE Loire-Océane, un témoignage d'SOS Loire Vivante, un témoignage du CPE de Belle-Île-en-Mer et un témoignage de la CCI du Morbihan. Voilà. Donc, concernant la prise de parole pendant les temps d'échange, voilà ce que l'on vous propose. Donc, vous aurez deux possibilités pour poser des questions. La première, ce sera en utilisant l'option « lever la main ». Donc, a priori, c'est assez simple. Ça doit être la seule option à laquelle vous avez accès dans ce format webinaire. Donc, vous lèverez la main et donc moi, j'ai la possibilité de vous donner la parole. Donc, nous prendrons 4 à 5 questions. Donc, du coup, 4 à 5 questions à l'oral auxquelles on répondra au fur et à mesure. Et vous avez une deuxième possibilité, puisqu'on est nombreux aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le chat pour poser des questions. Et donc, c'est Claire Istas qui est derrière ce chat et qui vous répondra au fil de l'eau aux différentes questions. Ce qu'on vous propose aussi, c'est que l'on fera une synthèse des questions-réponses qui auront été tenues dans ce salon de discussion et on vous mettra à disposition à la suite du webinaire sur notre site Internet. Voilà, je prends mes petites notes pour voir si je n'ai rien oublié. Mais a priori, c'est bon. Et je vous propose que l'on commence avec la première intervention. J'invite Lucie Sedano